Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je recommence les vidéos. Je vais faire des vidéos donc sur Minecraft, sur d'autres jeux, je pense, et peut-être aussi sur des présentations de rapides, sans titre, sans rien, parce que sinon les droits d'auteur vont me tomber dessus. Sur des films ou des machins comme ça, mais ça sera vraiment plus tard. Pour le but, on recommence les vidéos sur Minecraft et sur d'autres jeux. Avec un système de capture d'écran et de son qui fonctionne du tonnerre pour le moment, hein, donc je pense que ça va durer, je l'espère, je prie, on va dire. Donc vidéo de meilleure qualité et meilleur son. Tant mieux, parce qu'avant c'était pas ça. Donc les autres vidéos que j'ai fait auparavant, si vous voulez que j'en refasse avec ce système là, je le referai sur demande, donc je referai sans aucun problème, n'hésitez surtout pas. Donc pour ce qui est de Minecraft, je recommence avec les vidéos en mode survie. J'ai déjà présenté les minéraux dans l'autre vidéo, une vidéo qui est correcte, donc je la laisse. Après, si vous voulez que j'en fasse sur demande, encore une fois, je vais repartir sur la création, parce que pour faire un bon mode survie, ben, déjà il faut créer et créer ben, un peu de tout, parce qu'on n'a pas grand chose. Voire même quasiment rien. Voire rien du tout, pardon. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec la table de craft. Alors moi, je l'ai déjà mise en place. Je fais ça en mode créatif. Au moins, ça vous m'évite de tout chercher, de tout... Bon, voilà. C'est plus facile. Donc, pour faire une table de craft, il faut déjà des planches. Donc, vous récoltez le bois, vous avez des planches. Un biome, comme vous voulez ça, un cube de bois brut, vous donne 4 planches. Après, on prend les planches et on les design. Alors, on va mettre ça comme ça, en carré. Vous prenez pas toute la table de crafting, d'accord? Une fois que vous avez ça, vous prenez votre table de craft. Bon, moi, je la prends pas, elle est là. Ensuite, une fois que vous avez votre table de craft, c'est parti. Alors, par contre, c'est parti, mais moi, je vais vous présenter les constructions, comment créer des choses par catégorie, histoire de d'essayer de d'écumer le plus possible d'objets. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur la création d'objets qui était un petit peu en bordel, je l'avoue. Donc ce que j'ai fait auparavant, c'était par exemple les armes, elles ont toutes été faites. Alors pas l'arc ni les flèches, je vais y revenir, vous inquiétez pas. En revanche, pour ce qui est des livres d'enchantement, je les ai faits. Vous pouvez les retrouver. Pour ce qui est des épées, dans tous les matériaux, donc or, diamant, fer, bois. Qu'est-ce qu'elle fait cette saloperie de vache? Allez, casse-toi de là. Désolé, mais voilà. Une vache qui vient de nous dire bonjour maintenant. Donc, les armures elles ont été faites aussi. Pour petite info, les armures en or et les épées en or, c'est pour faire joli. Ça sert à rien, c'est de la merde. Là, on va être catégorique. Donc voilà, alors vous pouvez retrouver donc les armures, les épées et les livres enchantés avec plusieurs enchantements même, hein, additionnés et tout le bordel là, je crois que je présente sur une armure. Donc voilà, les enchantements c'est au point. Par contre on reviendra sur l'arc et les flèches, sans aucun souci. Donc par ta catégorie, donc on va commencer par les blocs. Alors les blocs ça va être rapide, vous allez voir, c'est pas problématique. Le bois, ben, vous venez de le voir, tout simplement. Comment créer du bois, vous prenez le bois brut, vous le mettez en place, ça vous donne 4 planches de bois. Voilà tout. Les minéraux, vous les trouvez comme ça. Le verre, il faut faire cuire du sable dans un four. C'est donne pour info. Les blocs de fer, les blocs d'or, les blocs de diamant. Ça par contre, vous le trouvez pas comme ça. Les escaliers, non plus. Après la laine teinte, ça il faut l'atteindre. Ça vous le trouvez pas non plus, mais oups, désolé. Ça, les pierres lumineuses, vous le trouvez pas non plus sous cette forme là. Je vais vous montrer comment faire des pierres lumineuses. Et après, il y a quoi encore? Bloc de paille, vous les trouvez pas sous cette forme là non plus. Vous en les trouvez même carrément pas du tout. Et émeraude, donc c'est parti. Allez, donc moi je vais dans les matériaux, dans la classe du bas, ce qu'on trouve nous en survie d'habitude. Donc vous allez trouver des lingots d'or, des lingots de fer. Bien sûr, vous les aurez fait cuire le bloc minéral pour arriver à avoir des lingots.
Hein, je sais pas si vous le savez, il faut faire cuire les blocs de minéraux que vous trouvez pour faire des lingots. Dans un four avec du charbon en dessous et le minéraux au-dessus, ça vous, en cuisant, ça va vous donner les lingots. Du bloc, à part le diamant, bien sûr, vous trouvez directement en E9. Donc, alors, il me faut donc diamant, or, fer. Il va me falloir de l'émeraude aussi. Il me faut également de la poudre de lumière. Enfin, oui, poudre lumineuse, poudre de lumière, c'est pareil. Et il me faut également un matériau X, puisque pour faire des escaliers, c'est la même chose pour tous les escaliers qui existent. Voilà. Alors, on va partir déjà sur le bloc de fer. Bloc de fer, vous remplissez entièrement. Et ça vous donne un bloc de fer. Alors, je vais pas vous montrer ce qu'on peut faire autre, parce que ça sera d'une autre catégorie, pour pas se perdre. Bloc d'or. Voilà. Bon, ça, c'est un casque déjà présenté dans les autres vidéos. Appelé bloc d'émeraude. Non, c'est la même chose, hein, à chaque fois, bon, je vous le montre, mais c'est exactement la même chose, tac, voilà, bloc d'émeraude, hein. Alors, je vais vite, hein, parce que, bon, une fois que vous l'avez vu une fois, c'est vite compris. Bloc de diamant, la même chose, on est reparti, tac, on remplit toutes les cases, bon, là, ça donne un casque en diamant, hein. Tac, voilà. Bon, le casque en diamant, vous en préoccupez pas, comme je vous ai dit, j'ai fait les armures dans l'autre vidéo. Voilà, maintenant, on va sur les... les blocs lumineux. Ça, il faut prendre la poudre de lumière que vous trouvez dans le Nether. Et il faut tout de quoi? Alors, il faut peut-être remplir que les 4. Ouais, voilà, il faut remplir que les 4. Il faut remplir les 4 et ça va vous donner les pierres de lumière. Enfin, aux lumineuses. Et ça change des noms à chaque fois qu'on change de version, ça change de nom. Alors, comme ça, c'est sûr que c'est pas pratique. Donc voilà. Voilà comment ça marche. Pour ce qui est des escaliers, il faut remplir comme ça. Ah, et là j'ai fait une bêtise. J'en ai pas pris 64, donc résultat, j'en ai qu'un et ça marche pas. Tac. Comme cela. Et ça vous donne des escaliers. Alors, vous pouvez faire des escaliers en bois, en pierre. Enfin, en pierre. Et pierre différente, hein, pas obligé que ce soit cette pierre-là. En brique. En square. Et je crois que c'est tout. D'abord, en parlant du square, c'est aussi le dernier bloc qu'il faut que je vous montre comment les créer, parce que ben, ils se créent pas. Vous trouvez pas les blocs de square comme cela. Donc les escaliers, vous avez compris. Mais vous allez trouver, par contre, des blocs, le square sous cette forme-là. Dans le Nether, aussi. C'est ça. Cette espèce de fleur... Enfin, on dirait... C'est un truc bizarre. Jaune. Jaune. Pourquoi je dis jaune? Et encore une fois, je me suis fait avoir. Voilà. Cette forme-là, donc, blanc, pardon. Pourquoi je dis jaune, j'en sais rien.